Comme de nombreuses villes de France, Alès organisait ce dimanche 11 janvier une marche républicaine en hommage aux 17 victimes des attentats et prises d'otages survenus cette semaine à Paris. Un rassemblement exceptionnel de plus de 10 000 personnes dans les rues de la ville, parvis du Cratère, rue Docteur Serre, place Péry, rue Saint-Vincent, Albert Ier, boulevard Louis Blanc et même remonté au dernier moment rue Edgar Quinet pour permettre à tous de suivre l'intégralité du parcours. Des milliers de citoyens à l'unisson pour sauvegarder la liberté d'expression et préserver la République. C'est important et c'est normal, je trouve, parce que ça représente quelque chose. Enfin, on est français, on montre qu'on se laisse pas faire. On n'a pas à être écrasé comme on l'a été, donc c'est super important d'être là. Pour respecter la liberté que nos anciens ont appris pour nous, hein, et qu'ils sont battus pour avoir ça, il faut la conserver le plus longtemps possible. Tous les événements qui sont passés donc, m'ont donné envie de venir témoigner pour la liberté d'expression. Défendre la liberté de parole, la liberté de penser, le fait d'être ensemble et de défendre ces causes-là. Ce qui m'a donné envie de venir aujourd'hui, c'est que je suis sous le choc. Je suis sous le choc qu'on en soit arrivé là et je pense qu'il faut qu'on reste debout et qu'on soit tous ensemble.